Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo accompagnée de Myriam. Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, on a une énorme nouvelle à vous annoncer. Myriam va faire des matchs en étant surclassée. Là, Myriam actuellement, elle a 11 ans, elle va jouer contre des gens qui ont 12, 13, 14 ans. Franchement, ça va être une dinguerie. Oui. Mais avant ça, il va falloir qu'elle achète des affaires de foot parce que là, actuellement, t'as rien en vrai, on est d'accord. Bah, regarde, frère, regarde, elle est habillée comme un skin Fortnite. C'est pas possible. Non. Donc là, il te faut quoi? Il te faut crampons, survêt d'entraînement. Si tu trouves aussi des maillots pour jouer au foot, etc. etc. Moi aussi, j'ai besoin d'affaires pour le foot. Younes, je pense que toi aussi. Donc, on va vous emmener avec nous. Un gros vlog aujourd'hui, on va acheter des affaires de foot. C'est parti. Jour. Les amis, je viens de trouver un banger. Regardez les nouvelles crampons. Mais c'est pour moi, de Mbappé. Hein? C'est pour moi ou pour toi qu'on est venu? Bah, pour nous deux. Moi aussi, j'ai envie de trouver des crampons. Les gars, vous les trouvez comment? Dites-moi en commentaire si vous les trouvez belles ou pas. C'est pas ceux-là, c'est des Mbappé. Ils sont juste derrière toi. Hein. C'est lesquels? C'est les oranges. Ah oui, c'est les oranges, celle d'Mbappé. Ça, c'est ceux de Ronaldo. Celle-là, c'est celle de Ronaldo. Donc, en gros, soit Mbappé, soit Ronaldo. Younes, moi, je te dis la vérité, Mbappé, je le kiffe. Hein. Mais celle-là, là, j'ai flashé dessus. Elles sont trop belles. Je pense que je vais partir sur celle-là. Moi, je vais les prendre. Regarde ici, il y a marqué KM. Ah oui, Kylian Mbappé. Kebab, Margherita. Mais non, Kylian Mbappé. Ah oui, c'est vrai. Toi, Myriam, t'aimes bien ou pas? Tu préfères laquelle, toi, en vrai? Moi, je te pensais celle-là, elle est grave belle. Celle-là? Ouais. Ok. Mais toi, Yacine, t'es team chaussette ou team sans chaussette? En vrai, moi, je vous dis la vérité, je suis devenu team chaussette maintenant. La chaussette, c'est trop stylé, ça fait trop la gif. Du coup, moi, je pars sur celle-là, les gars. Moi, Yacine, je veux les bleus, je veux les bleus. Tu veux les anciennes, les bleus? Ouais, elles sont grave belles. J'avoue, celles-là, elles sont trop stylées. Hein. Mais ça, c'est trop grand pour toi, il y aura pas ta taille. Tu sais, faut qu'on trouve quoi? Faut qu'on trouve en gros. Les sans lacets pour Myriam, parce que celle de petit, c'est celle sans lacets. Du coup, il faut les sans lacets. Au niveau des prix, on est comment? S'il y en a, ils veulent s'acheter les abonnés. Alors, au niveau des prix, bon, pour la jaune, elle coûte combien la jaune? La jaune, on est sur une. Ça, c'est la gamme pro, ça. 170 euros. Ouais, la gamme pro, c'est 170 euros. Et la bleue? La bleue, c'est 129 euros. 129 euros, c'est un peu moins cher vu que c'est les anciennes. Mais même Myriam, ça va pas lui aller. Non, c'est 160 euros. Là, c'est 129, c'est la Adidas. Vapor, 159 euros. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Oh, il y a la taille de Myriam! Incroyable. Oui. Ça, c'est ta taille, ça, non? Oui. Incroyable, ça, les gars. Yacine, tu regardes, il n'y a que du 40. Oh, les gars, regardez, 39. En fait, ça s'arrête à 39. En plus, celles-là, elles sont trop belles, les fantômes. Myriam, toi, tu fais du combien? Moi, je fais du 38, 37 et tout. Elle fait du 37, Myriam. En vrai, 37, il faut lui trouver les sans lacets. Vous voyez les sans lacets, là? Il faut trouver celle-ci. Donc, on va aller voir si on trouve celle-ci. Mais ça, c'est mort pour Myriam. Mais je crois qu'elle est sur Internet. Hein. Je viens de trouver un banger pour Myriam, là, regardez. Quoi? Les crampons Pro Touch à 14 euros. Celles-là, elles sont bien, en vrai. Mais non. Pourquoi t'aimes pas? Non. Tu sais que nous, notre premier père que papa il nous a acheté, comme il n'avait pas trop de sous avant, c'était ça. Hein. Ouais. Je les ai mis une seule fois. Une seule fois, ils m'ont fait des cloques. Derrière, des cloques derrière, il a arrêté de les mettre. J'ai mis mes baskets de l'école pour aller au foot après. En vrai, 14 euros, c'est grave pas cher. Hein. Bah, sur ça, il nous les avait achetés avant papa. Il y a les crampons d'Mbappé en version mini. Ah ouais, version mini. Ah ouais, version mini. Mais il n'y a pas à les fermer, il faut les fermer, je t'ai dit. Comment ça, les fermer? Eh, mais si t'as ça et tu marques pas beaucoup de buts, Myriam, ça va mal aller. Hein. Les amis, je viens de trouver un banger. Les nouveaux maillots de l'Algérie sont juste ici là. Regarde. Nouveau maillot, ça c'est le nouveau maillot à domicile et ça c'est le nouveau maillot à l'extérieur. Celui-là on dirait un peu le maillot du Nigeria. Celui-là? Le vert là-bas. Là. À votre avis ça coûte combien? Tu dis moi, combien je... 70 euros. 99. 99 euros, regardez les gars les prix. Les gars, 100 euros le maillot. C'est 99. C'est pas une dinguerie. Je suis trop fort, maintenant je sais les maillots coûtent combien. Mais c'est trop cher celui-là aussi, 99. 99 et euros. Celui-là par contre 49 euros. Moi les gars je vous conseille ce glitch, c'est d'acheter ces maillots là, 49 euros. Le bas 64 euros. Les gars, je dis la vérité, 100 euros pour un maillot ça vaut pas, je suis désolé. Même si c'est l'Algérie. Ah, même si c'est l'Algérie, ça vaut pas 100 euros. Un maillot, normalement, 100 euros, c'est un survêt. Non, 100 euros, normalement, c'est le survêt complet. T-shirt, veste ou pull. J'avoue. Mais est-ce que tous les maillots, c'est 100 euros? Genre, regarde les maillots derrière du Bayern Attends, Munich. Je vais regarder celui-là. Vas-y, regarde celui-là. Celui-là, c'est 100 euros si je l'ai acheté. Ouais, 100 euros. Au début de l'année, je l'ai acheté. Les gars, là, on est arrivé dans le rayon enfant. C'est incroyable. Là, on a le maillot de Liverpool. Là, on a le maillot de Marseille. Là, on a encore. Oh, il est grave stylé celui-là. Celui-là, c'est celui de Ramdan, les gars. Dans la vidéo Pitch Addict, c'est lui qui a gagné la vidéo. Il avait ce maillot-là. Ouais, moi, je trouve les maillots le plus marqué. C'est celui-là le plus. Ouais, le plus beau, ouais. En plus, regarde, ils ont rien respecté. Ils ont mis Paris et Marseille à côté. Ils ont rien respecté. Regarde là-bas. Là-bas, on a l'Espagne. Ah ouais. Je vois une couleur verte. Ça te dirait pas pour ton nouveau foot de prendre un maillot vert non, comme moi, ça Moi, celui de l'Espagne. Tu, à toi, Real Madrid, tu préfères plus que le Barcelone? Ouais, je préfère plus le Real. Bon, bah les gars, Myriam, vous avez dit, préfère plus que le Real qu'à Barcelone. Mais, oh non, celui-là, c'est le plus stylé, il est incroyable. Vous savez, celui-là, on peut le trouver que. Vous savez, celui-là, on peut les trouver où? En particulier en Espagne. Ah oui, j'avoue. En Espagne, ils sont incroyables. Bon, il s'agirait de prendre un survêt là quand même. Ouais. Celui-là, il est beau, celui-là, hein. Le Qatar là, en blanc là, il est incroyable. Regardez comment il est incroyable. Tu veux essayer celui-là? Ouais, avec le pantalon qui va avec le noir. En vrai, ça tirait grave bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yacine? Oh, j'ai trouvé un survêt. Oh, la copieuse. Oh, vous avez les mêmes goûts, regardez. En vrai, je vous dis la vérité, je pense Paris, ils ont sorti un banger et Younes. Ah ouais, c'est un banger ça. Celui-là, là, il est incroyable. Attends, mais si je le prends, tu le prends pas? Non, si. Bah, si, vous avez le droit. Ah ouais? Bah, c'est rien d'avoir les mêmes. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on essaye. Vas-y, on essaye, on va voir si ça fait le plus stylé sur qui. Vas-y. Myriam, elle vient de finir d'avoir son survêtement, elle s'est changée avant, Yacine. Mais alors, tu te sens comment?
Il est bien, mais genre le bas, j'ai l'impression qu'il est un peu petit au moins. En fait, il est un peu trop grand, mais moi je te conseille de prendre un truc grand, comme ça tu peux le garder longtemps. Ouais, en vrai, c'est pas bête. En vrai, je vais partir pour ça. T'es à l'aise, ça va? Ouais, est-ce que tu valides ou pas? Moi, je valide totalement. En plus, il est un peu grand, comme ça tu pourras bien le garder. On attend Yacine pour voir. Regarde, il est là-bas. Regardez, les gars, les jumeaux. Alors ça, t'en penses quoi? Je sais pas, en fait, celui-là, il est un peu trop grand, mais en même temps, il est un peu serré, c'est bizarre. En fait, faut que tu l'élargis un peu. Quand vous avez des nouveaux maillots, vas-y, élargis, voilà, il va prendre la forme de ton corps, genre. Je pense que c'est mieux. Et même moi, je fais ça parce que, genre, après, sinon, il est. Moi, je pense comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est archi bien. Et le bas, il t'y va grave bien, en vrai. Vous deux, là, vous êtes grave bien. C'est bon, vous. Du coup, il va le mieux à qui? À moi ou à elle, en vrai? À Myriam. Non, Myriam, ça lui va trop stylé. Et moi, ça me va pas, du coup. Si, ça te va bien aussi, mais le mieux, Myriam. Attends, je vais voir s'il y a une différence au niveau des prix. Alors là, on a 60 euros. Et là, fais voir ton étiquette. 69. Il y a 10 euros de plus dans celui-là. Hey, tu veux le prendre? Comme ça, on a nos trois le même. Non, moi, je l'ai en noir. Il y a la balle de la LDC. De match officiel de l'UEFA. Vas-y, teste pour voir s'il en reste. S'il en reste un? Il reste une balle, ouais. Mais non, mais il reste un dessus, il reste des cartons. Vas-y, go tester. Oh, t'as vu comment elle est devenue forte? C'est pour ça qu'elle va être surclassée. C'est pour ça qu'elle va jouer avec des plus grands. Là, je vais c'est quoi les vrais bails. Mais je te préviens, Myriam, jouer avec des plus grands que soi, c'est super dur. Hein. Ouais. Ah ouais, va falloir muscler son jeu. Vas-y, tu vas me proposer un défi à moi et Yacine, vu qu'on est censé être pareil. Bon, pour lui, c'est facile. Tour du monde, easy. Okay, à moi, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire genre une virgule. Fais voir la virgule. Ok. Ensuite, tu peux même la faire comme ça. Wesh, elle est devenue trop forte, frère. Il y a comme ça. Ok, bien joué. Est-ce que tu sais faire un amorti poitrine? C'est quoi ça? Ah. Ok, bien joué. Est-ce que tu... Moi, j'ai une question à te poser. Quand tu vas marquer, ça va être quoi ta célébration? Ça veut dire quoi cette célébration? Pourquoi tu fais ça? Genre, ça veut dire quoi? Genre, ça veut dire... Je sais pas. Elle fait des trucs au hasard, en fait. Alors moi, pour ma part, j'ai pas voulu prendre comme Yacine et Myriam, parce que là, vous êtes témoins, c'est l'hiver, il caille. Regardez le nouveau survêt qu'ils ont inventé. Ça, les gars, ça tient chaud. Et en plus, là, on a une cagoule. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'entraîner. Et mettre une cagoule, ça va être incroyable. Et plus, on a le bas Adidas. Donc là, ça va me faire une combinaison pour le froid. Tu vas prendre ça? Ouais, incroyable. Là, je la voulais trop et j'ai cherché sur internet et tout. Et je voulais l'avoir en vrai pour voir, mais moi, je valide. Les gars, ici, c'est bien. Tu vois, regarde comment ça tient chaud. Regarde comment ça tient chaud. Ah ouais, incroyable. Les gars, j'ai oublié l'essentiel, les chaussettes. Les chaussettes de foot. Et le sous-pull, je vais te montrer. Ah ouais. Faut que tu prennes un sous-pull. Faut que je vous montre, les gars, comme c'est l'hiver. Venez. Mais attends, mais c'est là-bas les sous-pulls. Quand vous voulez garder votre maillot, la technique c'est de quoi? C'est de mettre ça en dessous. Vous mettez ça en dessous, ça va. Attends, mais toi avec ton club, tu joues en quelle couleur? Moi avec mon club, on joue en noir. En noir, donc du coup, tu fais un truc noir. Ouais, ça c'est carré, ça. Mais c'est trop grand. Oui, mais on va prendre ta taille. Mais en gros, tu mets ça en dessous, après tu mets ton maillot et tu restes BG. J'aime des chaussettes noires. Et ouais. Regardez, par contre, le prix c'est pas comme les autres. Là, on est sur un prix de 19 euros. Ah, ça va. T'as vu comment c'est pas cher? Ouais. Les gars, incroyable, on a les bandes. Vous voyez les bandes du Chex Play quand vous les mettez autour du poignet? Ça, c'est pour les joueurs archi forts. Donc toi Myriam, je vais pas être méchant, c'est pas méchant, t'as vu? Mais tu peux pas encore mettre ça. Non, s'il te plaît. Non mais écoute-moi ce que je vais te dire les gars, pour mettre des bandes, il faut avoir les 5 étoiles gestes techniques. Toi pour l'instant t'as 2 étoiles. Viens, je te montrerai qu'un ballon. Non, t'as 2 étoiles. Dans tes prochains matchs, si t'arrives à mettre des beaux buts et tout, tu pourras les avoir. Dans la famille, c'est Yacine et moi. Même Omar et Saito, ils peuvent pas. Il y a que Yacine et moi pour l'instant, on peut mettre des bandes 5 étoiles gestes techniques. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non Myriam, fais bien le mouvement. Yacine, t'es en train de faire quoi là? Il y a tous les paniers sont là-bas, on y va. Elle va jouer contre plus grand qu'elle, faut qu'elle muscle son jeu, faut qu'elle soit stock. Je suis en train de l'entraîner là, c'est bien. Non, t'as vu le bras, tac. Ouais, mais Yacine, il y en a qui disent que la musculation ça fait pas grandir. Non, ça c'est faux, faut pas écouter les gens. Ah bah ça fait pas grandir, moi j'arrête. C'est faux, Myriam, faut pas écouter les gens. Mais comment tu sais? Moi j'ai commencé la musculation en 5e et je fais 1m82. C'est faux, les gars, c'est faux. Tu penses que c'est faux? Ouais, en tout cas, c'est important de faire du renforcement musculaire quand tu cours plus grand que toi. Parce que après, ça va être costaud, les gars. Mais tu peux montrer un ou deux exercices pour Myriam qui puisse s'améliorer? Au foot, c'est important d'avoir des grosses épaules pour mettre des coups physiques. Donc il y a un exercice qui s'appelle élévation latérale. Tu mets droit, tac, tu regardes devant toi et bim, tu vois ici, tu travailles l'épaule ici là. Tu soulèves, tu fais 10 répétitions et ça travaille les positions. Vas-y, essaye Myriam, travaille tes épaules pour voir. Pour comme ça, tu pourras mettre des coups physiques. Droite, tu regardes devant toi et c'est parti, élévation latérale. Ici là, comme ça, tu vas être costaud. D'ici là, tu vas mettre des coups physiques. Ok, est-ce que tu en as un deuxième maintenant? Pour les jambes, plutôt les jambes. Pour les jambes, il n'y a pas besoin de poids, tu vas faire des squats sautés. Tu descends bien, tu sautes. Tu descends. Regardez comment je descends bas. Excellent, et tu sautes. Après, tu sautes après. Faut sauter. Saute. Ouais, encore. Ça, c'est pour courir grave vite, pour être plus puissant dans les jambes. Ça, c'est pas mal. Regardez, j'ai un domaine, moi. Regardez. Mais non, ça, c'est pas football. Ça, c'est pas football. Non, Myriam, non, ça, c'est pas football, ça, Myriam. Donc, tu vas faire un peu de musculation quand même?
Ok, et vous êtes au courant que là, la facture, elle va être salée, les gars. Ça va être salé, la facture. On vient de rentrer, donc là, la famille, on vous montre qu'est-ce qu'on a acheté notre outfit. Donc, je vais commencer par moi. Survêt du Paris Saint-Germain avec le haut blanc, le bas noir. Et les gars, j'ai craqué pour les crampons en mode jaune. Ok, moi, je suis parti sur le haut de Paris comme Yacine, le bas de Paris comme Yacine. Ah, du coup, t'as trouvé les crampons et bleus. Les crampons bleus. Ok, incroyable. On va aller voir maintenant Younes. Comme je vous l'ai dit, j'ai le survêt vraiment spécial. Ici, on a une vraie. Tu l'as pris du couche. Avec ça, est-ce qu'il déjà il est bien? Il est incroyable. Et regardez les gars, s'il fait vraiment froid à l'entraînement le soir. Wesh, il va me tirer pour Younes. Oh le banger, regarde Myriam. Wesh, il y a un autre. Regardez-moi ça. Comme ça le vent, il touche pas là, il touche pas là. Et là, je peux respirer et là l'air passe. C'est incroyable les gars. Maintenant, pour les crampons. T'as pris quoi comme crampons? Attends, ça m'intrigue les crampons qu'il a pris Myriam. Tu penses qu'il a pris quoi? Ceux d'Mbappé. Mais c'est les mêmes que les miens! Les gars, c'est les meilleurs, je suis désolé. Regardez le copieur! C'est les meilleurs crampons ceux-là, les bleus là, c'est les jaunes, elles sont incroyables avec les bouts là. La semelle, elle fait trop la différence, avec ça, t'es obligé d'être fort. Si vous voulez voir son prochain match surclassé avec des plus grands, je compte sur vous pour mettre un like, c'est très important. Vous allez voir, Myriam, elle va galérer vu que c'est des plus grands. Nous, on vous laisse là. Peace! Peace!